Hey, Piou les amis! Donc aujourd'hui, on va s'amuser à visiter un petit peu les maisons de Willow, parce qu'il y en a plusieurs, enfin, il y en a deux, ou une. Ça dépend comment on voit la chose. Alors déjà, pour commencer, il y a sa maison de spawn. Alors là, nous avons sa petite boîte aux lettres. Et là, c'est une de ses petites maisons qu'il a fait. Et puis, comme vous avez pu voir dans son introduction, je me suis un peu attardé sur certains éléments du décor au niveau du spawn. C'est parce que c'est notre ami Willow qui a fait énormément de décorations. Par exemple, juste ce petit truc là qu'on est à côté, je vais vous faire voir. C'est je sais pas comment on pourrait dire ça, mais c'est allé à bûcheron ou la série, ça dépend. Du coup, c'est lui qui a fait ça, la machine qui est en dessous, vous plantez, alors, je sais pas si on voit son nom, non. Alors là, vous prenez votre sapling et puis la bonne mine. Puis vous plantez, puis après, les saplings, quand ils vont tomber, ils seront récupérés automatiquement par un rail en dessous, avec un hopper qui déposeront dans le coffre. Bon, il a fait énormément de contributions au niveau du spawn, et essentiellement la décoration, tout ça qui est enrichissement du spawn, quoi. La verdure, le décor. C'est vraiment un truc qui nous a apporté énormément de choses agréables sur le serveur. Alors j'espère qu'il va rester avec nous pendant un bon moment. Alors déjà pour commencer, on va aller visiter sa petite maison là. Et ensuite on va se retrouver pour aller visiter sa maison qui a sa base qui est un peu plus éloignée. Hop, allez on va rentrer là. Bon, il n'y a pas grand chose d'extraordinaire, c'est assez petit, c'est coffre de rangement. Mais là aussi, il y a des coffres. Ah oui, voilà, c'est le bordel. Hop. Donc, on va descendre. Et puis, là, une petite salle assez sympa quand même. Avec table d'enchantement en bas. Enfin, un sous-sol, au milieu. Des coffres pour ranger. Dérivé, pierre, d'accord. Ouais, voilà quoi, dimension. Il a encore de la place pour ranger des coffres ou des fours. Là, sa petite chambre qui est assez sympa. Il manquerait plus qu'une petite télé, puis ce serait nickel. Alors, j'espère que c'est pas une caméra de surveillance, ça, parce que, que c'est un lit de personnes. Alors, ça veut dire que si c'est quelqu'un. Bon, bref. Alors tout en bas, nous avons, je sais pas, ça doit être Samu, je suppose. Ah non, c'est PNJ, c'est vrai. Du coup, il a un Brinder, je sais plus comment ça s'appelle, comment on appelle déjà le système. Du coup, les PNJ arrivent ici automatiquement. Ok. Et puis, il est rangé ici. D'accord. Hop. On va sortir de sa maison. Parce que je voulais vous faire voir un autre petit truc aussi. Alors, c'est par là. Hop. Il a aménagé ce petit système là où ça récupère les citrouilles et les pastèques. Oh là, c'est un peu le bordel. Voilà quoi. Normalement, le système, je ne sais plus ce qu'il est, je crois qu'il est en dessous, ou la ferme que. La ferme que j'ai aménagée avec Kayan. Ça doit être là en dessous. Toc, 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 on passe par là. Non, du tout. Ou il a dû faire son propre système ailleurs. Ils sont tout. Bon. Après, il y a aussi il a un petit shop là-bas qu'il a fait. Je vais vous emmener voir. C'est la première construction que j'ai vue, je crois, depuis. Je trouve ça assez sympa. Ah. Allez. Donc ici, nous avons son petit shop stuff pour les nouveaux. D'accord. Bon, en fait, on se tend tout seul. Je sais pas si... Non, bon, il a carrément plus rien, il a dû le reboucher. Bon, c'est la première construction qu'il a fait, et puis je l'ai trouvé assez sympa. Ouais, c'est original.
Du coup, on va se retrouver chez lui. Je vous dis à tout de suite. Donc, on se retrouve ici. Alors, je voulais passer par le portail du Nether parce que Willow est en train de commencer à ménager. Alors là, c'est pas fini, je suppose. Enfin, je sais pas, on verra bien. Et bon, je trouve assez sympa son portail. Et surtout le fait du moment où ce qu'on passe. C'est assez agréable d'arriver chez lui, vous allez voir. Tadam! Donc, nous nous retrouvons chez Willow dans sa base. Et franchement, il n'y a pas à dire, je suis fan quand même de la façon qu'il aménage l'environnement. Je trouve ça assez joli et agréable à se balader. Alors là, nous avons toutes ces usines. Alors, il y a une ferme à esclaves, un spawner à araignées, un brinder à villageois. Du coup, ça s'appelait un brinder, truc à villageois, là, en production de villageois. Une zone commerciale. Une zone de commerce avec les villageois, bon, une zone commerciale quoi. Je vais peut-être enlever mes bottes sinon je risque de me faire engueuler. Alors, nous avons une jolie petite fontaine là, avec une petite torche au bout, un arbre qui est assez sympa. Et puis, ça, c'est la petite construction qu'il avait fait au début du serveur, que je trouvais ça agréable, enfin, je trouvais ça sympa. Et du coup, là, c'est pas du tout le même, mais c'est à peu près le même style. Le truc, c'est que normalement, quand on passe dessus, on tombe à travers. Et là, on peut voir que du coup, il a fait sa salle des coffres ici. Et pour remonter, vous avez juste à cliquer, faire Shift pour sortir du minecart. Alors, je crois qu'il y a d'autres constructions. Là, il doit avoir son bacon tout en bas. Non, il est juste là, il est tout en bas. Alors, si on passe, non, on va passer par le petit chemin parce qu'il a fait un joli chemin, autant en profiter. Alors, on va aller à gauche après, mais on va d'abord aller à droite. Alors, ici, nous avons les fours, mettre le carburant ici, mettre le combustible ici. Ah, c'est le combustible, carburant, c'est la même chose, non? Alors, combustible, c'est ce qu'on brûle, et le carburant, c'est ça qui alimente. Bon, du coup, là, on met le charcoal et là on met ça qu'on veut cuire. Et je crois que normalement en descendant par là on va arriver à la récolte, on va dire. Et du coup tout est récolté dans ces quatre coffres. Alors, ça peut être pas mal, je sais pas quoi, si son four il est assez grand, je sais pas si on peut voir à travers. Il n'y a pas d'accès, c'est dommage ça par contre. Que moi j'aime bien voir les systèmes et. Ça aurait pu être sympa de voir les sous-sols ou pas les couches, je sais pas comment on dit, la face cachée des machines. Alors là, il a son petit lit. Alors, je crois pas qu'il est vraiment de maison ici. Je crois même pas, il a part sa salle des coffres, ces trucs, c'est toujours en cours de construction et il fait du sacré travail quand même. Et je trouve ça admirable. Alors ici nous avons l'enclos à bêtes, nous avons les vaches, quelques poules, pas de cochons encore, mais à mon avis je pense qu'il serait tardé, hein. Il va pas tarder à en mettre, enfin j'en sais rien, je dis ça. Mais en tout cas comme enclos c'est assez sympa, c'est carrément moins moche qu'un truc, les enclos tout et tout. Alors normalement en dessous c'est sa mine, on va aller jeter un petit coup d'œil, hop hop, putain c'est censé pour... Aïe. Et du coup, là, les couloirs, et ça, c'est quoi ça? Ah, à mon avis, ça doit être un système de ramassage. Et ça a l'air d'aller assez loin. Je peux voir un truc, non, j'ai rêvé. À mon avis, ça doit être un système où il doit se mettre AFK pour rentrer. Parce que ça doit être. Très 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 long ce tunnel. Bon, moins long que ce que j'ai pu voir avec certaines personnes. Donc on va remonter, on va pas s'attarder ici. À mon avis, ça se trouve, c'est pour ranger, ramener les objets et puis ça va aller dans les coffres ici. Mais je vois pas de dispenser ou de dropper.
Je sais pas du tout. Bon, on va remonter. Bon, ça risque d'être long, la remontée, mais bon. Bon, je vais pas vous mentir, en fait, je refais cette vidéo-là parce que je viens de la faire il y a même pas 10 minutes et j'avais oublié d'activer le son. Et puis là, il y a un escalier, franchement, que je trouve assez joli. Il est bien fait. Je pourrais même m'en inspirer pour en refaire à peu près dans le même style. Et je crois que d'ailleurs, Willow, il en est assez fier. Alors, de toute façon, on va remonter par là, parce que je crois qu'il y a un autre chemin. Et là, on va se diriger vers l'autre bacon, là-bas. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a de quoi s'y perdre un petit peu. Mais en tout cas, franchement, je trouve ça super joli. C'est assez agréable. C'est mieux que... Alors, attends, nous avons un truc là, nous avons... Ah oui, il faut que je vous fasse voir ça aussi. Donc, je disais que c'est... Là, c'est genre, c'est le builder, enfin le constructeur qui s'adapte au terrain, et c'est un truc que j'ai toujours trouvé normal, quoi. C'est pas l'inverse, c'est pas le terrain, c'est pas l'environnement qui doit s'adapter aux constructions, mais plutôt l'inverse, et ça donne des trucs assez jolis, quoi. Alors là, c'est la même chose que vous avez pu voir au spawn, mais en carrément plus grand, quoi. Alors là, vous entendez peut-être. Le minicar en dessous qui fait des allers-retours pour récupérer tous les saplings qui tomberont. Alors là, si on passe par là, normalement, je crois que ça va être le Brinder dans ce chemin-là. Comme je vous disais, c'est vraiment les constructions qui s'adaptent au terrain. Et puis, alors, je sais pas si c'est une grotte naturelle ou pas, mais en tout cas, elle est super bien faite. Et une petite cascade d'eau, mais je trouve ça juste joli. Bah, excusez-moi. Alors là, nous arrivons au Brinder, le gros producteur de villageois. Alors, il a dû mettre un dôme en verre parce que sur cette version, bah, les zombies ils font pas de cadeaux quoi. Dès qu'ils peuvent, ils passent par tous les petits trucs, t'as les petits zombies, les grands zombies, ils cassent les carreaux et tout, et puis du coup, bah, ils devaient. Il devait protéger ses villageois, sinon il ne pourrait pas peupler son petit biome. Et du coup, bah, c'est ici que ça se trouve les villageois. Alors normalement, je crois que c'est sorti assez vite fait. Hop là. Voilà. Alors vous êtes heureux, monsieur les villageois? Bon, il leur faudrait peut-être une maison. Alors je sais pas si ça. Non, c'est pas du tout une maison. Bon. Leur faire des petites cabanes, hein, Willow, sinon, alors que là, ils sont en train de baboter, barboter, ils ont l'air assez heureux. Ici, nous avons une petite boîte à musique. Okay. Oh, mince! Tam, tam, tam. Ah, la petite musique. Voilà, au cas où ils s'ennuieraient. On dirait le jardin d'Adam et Ève, ils vont faire. Bon, évitons. Illusions. Donc bah voilà quoi, je pense que j'ai dû faire le tour de pratiquement toutes ces constructions. Et bah, franchement, il n'y a pas à dire, je trouve ça super joli quoi, c'est agréable de voir des constructeurs comme ça. Et du coup, Willow en fait, il construit pas énormément de constructions, lui, c'est vraiment le terrain. Et franchement, c'est quoi, c'est joli quoi. Il a pas de machinerie ou de gros trucs comme certaines personnes, mais c'est un truc vachement je trouve ça super joli et agréable quoi. Il y en a qui vont faire des grosses constructions, des trucs assez jolis, imposants, mais lui c'est pas du tout imposant. C'est, on a juste envie de se balader dans l'environnement de ces de toutes les décorations qu'il fait, et je trouve ça mais juste magnifique quoi. Alors j'espère que ça vous plaît, et puis n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je suis sûr que ça lui fera très plaisir, et puis à moi aussi. En tout cas, moi ça me donne envie de refaire à peu près la même chose quoi. Moi c'est toujours un truc qui m'a passionné quoi, c'est vraiment l'enrichissement du décor par la végétation. Je trouve ça naturel et joli, quoi. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine, et puis n'hésitez pas
à aimer cette vidéo et surtout laisser dans les commentaires un petit avis positif. Si vous n'avez pas d'avis positif, ne laissez rien, c'est mieux. Mais en tout cas, dites ce que vous pensez à peu près de la décoration. Je suis sûr que ça fera plaisir à mieux. Allez, sur ce, je vous dis bye. Allez, ciao.